Je vais vous présenter dans cette vidéo comment vous pouvez créer en fait des collections sur Shopify. Alors une collection de produits, c'est quoi? Alors donc là je suis sur le site. Imaginez par exemple vous avez, donc là c'est un site réservé pour tout ce qui est chicha, etc. Donc par exemple si j'ai plusieurs types de chicha à proposer, bah ça c'est une collection. Par exemple c'est la collection des chicha. Et à l'intérieur des chichas, j'ai les chichas classiques, j'ai les chichas de luxe, j'ai les chichas en verre. Donc c'est plein de petits sous-collections. En gros, ça c'est les collections. Et en dessous, on a toutes les sous-collections différentes. Mais ça reste quand même des collections, d'accord? J'ai la collection là. Par exemple, si vous avez des bijoux, j'ai les bagues, j'ai les colliers. Donc par exemple, j'ai les bagues. Enfin, j'ai là ici la collection des bijoux. J'ai les bagues, j'ai les colliers, les bracelets, etc. Tu vois, si vous faites que une boutique que sur les bijoux, bah par exemple j'ai les bagues, bagues en verre, bagues en diamant, bagues en or, etc. D'accord? Donc ça c'est les collections. Alors pour créer ça sur Shopify, donc déjà je vais vous apprendre dans cette vidéo là à créer une collection. Ensuite dans une autre vidéo je vous montrerai comment créer un menu avec des sous-menus, etc. D'ailleurs abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc on se rend sur Shopify, on va simplement aller dans produits, on va aller dans collections. Et ici, on va aller dans créer une collection. Créer une collection, vous donnez le nom à votre collection. Par exemple, moi, dans le cas de ma boutique, je vais donner le nom de la collection, jouets panda. Ici, vous devez faire une description. Alors moi, je vous recommande dans une collection de faire des descriptions qui sont quand même assez longues. D'accord? De faire au moins, on va dire, 6 lignes. Pour votre collection, donc vous faites une description de 6 lignes. Moi dans mon cas je ne vais pas encore le faire. Et ici en type de collection vous mettez manuel parce que c'est vous même qui allez ajouter les produits dans votre collection. Ici vous avez le référencement naturel, donc c'est à dire qu'une fois que votre collection vous aurez fait votre description, ici vous allez pouvoir modifier en fait votre référencement naturel, c'est à dire mettre des mots clés, etc, etc. D'accord, ici vous restez comme ça. Si vous voulez ajouter une image à votre collection, vous le mettez juste ici. Et ensuite, vous faites enregistrer et votre collection est créée, tout simplement.